Bonjour, bon matin pour semaine ça. Ce matin, c'est un roman de samedi. Quel point n'a pas été développé dans l'édition nouvelle ça pour matin? C'est pour parole qu'a forcé moun faire violence, causé qu'a monté tête moun pour faire des ordres. C'est pour ça eux-mêmes, Dr. Chile Louis d'Orde présenté dans paquet Port-au-Prince journée vendredi à 2h30. C'est commissaire gouvernement paquet Port-au-Prince la mette au Knam Klamé Damayus qui invite l'ayon lettre cap si qu'il est sur réseau social depuis hier jeudi. Votre parole secteur démocratique là qui dit le poko j'aime recevoir lettre ça, vous j'étais bien loin parole ça yon. Toutefois, Dr. Chilon lui demande des populations continuer à mobiliser. À partir du 17 octobre, Kabine là pour chavirer tout bon vrai Jovenel Moïse au pouvoir. Sénateur Antonio Chéami demande des populations pour ne pas prendre la pression. Secrétaire d'État Sécurité publique là, Ronsard Saint-Cyr, qui dit à sa pitié pour tout manifestant qui t'a voulu faire des ordres. 17 octobre, Kabine là, sénateur l'Ouest a critiqué le pouvoir qui déjà multiplié stratégie dans Sima et l'agent. Pour tenter de boycotter le mouvement protestation qui prend le vinyle. Réseau étudiant pour démocratie fait qu'on est déjà pour parer au même tour pour piler béton à 17 octobre qui vient là. Bon côté population qui prend continuellement des côtés l'agent Petro-Caribéa. Pour commencer à chauffer charrette, il a annoncé qu'il y a sous béton 15 octobre qui vient là. Pour continuer à exiger l'État prend responsabilité pour faire lumière sous dossier l'agent Petro-Caribéa. Pour voir sur qui colle tout pour 17 octobre qui vient là, côté annoncé ensemble activité dans date ça. Pour commémorer la mort papa de nation Jean-Jacques Dessalines. Marathon, concours, texte, c'est quelques parmi activités ça y est. D'après ministre Action Civique là, Edwin Charles. La police a cherché tant couchin fou Yves Léonard pour Zach Maspina et Licomet sous magistrat Tabar la Nissimon. Porte-parole PNH la Michel et Louis Jeune. Mande n'importe monde qui t'a gagné information sous agresseur. Contactez la police dans 38 38 11 11 pour yon même yon capable vin fouquel carrément menel by commissaire gouvernement Kouadé Boukéa. Dossier scandale visa dans le ministère intérieur, toujours qu'un actualité après directeur général ministère ça, Fidel mon chéri marché fait la navette dans la presse. Et bien, cette fois ça, c'est quelques parmi bénéficiaires pour Gram Satakou. Association Femme Kazekio qui prend la presse hier jeudi pour prendre les forces Fednel mon chéri côté au fait qu'on est yo pas de payer yo pièce pour programme ça yo même comme bénéficiaire finalement capable les Fednel mon chéri nèg visa finalement dans différentes rubriques yo n'a gagné pour nous parler avec madame Chrisnette Saint-Georges pour nous capable garder comment temps lever dans non UHM unité dignité météorologique pays d'Haïti. Matin nous pas connaissons une carte traversée dans rubrique traversée avec différents collaborateurs nous yo Salomon Sedme John Wesley Jovier Abdias Aristide Jonathan Charles. Et faut nous dit tout matin dans l'espace invité journal la parole équilibrée invité à ses pral membre communication formé la valasse une porte-parole secteur démocratique populaire docteur Chile Ludor. Différents presse ayo capable l'autre mesdames messieurs pral faire dernier rendez-vous journal méga matin pour semaine ça rete tout droite dans développement actualité ya. Dans une lettre livrée par porte-parole secteur démocratique la docteur Chile Ludor. Commissaire gouvernement Port-au-Prince l'a mettre au Knam Klamé Damayus mandé docteur pour le présenter dans paquet hein. Journée vendredi à 2h30 pour série déclaration violence commissaire a dit l'habitude fait dans la presse. Docteur Chile Ludor qui dit il peut recevoir lettre la voie jeter parole ça yo mais bay garantie l'a descend dans paquet à s'il rive joindre invitation formellement avec si invitation ça tout à respecter toute forme yo. En côté docteur Chile Ludor dans micro radio méga. J'ai pas reçu d'invitation. Moi, effectivement, sur le réseau, il y a une invitation qui a circulé, qui a un nom là-dedans. Mais juste au moment où je vous parle, ni mes avocats, et ni moi-même, nous pas reçu. Mais cependant, en admettant que nous avons une invitation, hein, c'est sûr que mes avocats vont faire ce que de droit. Mais nous pas bien refuser à devant le commissaire du gouvernement parce que nous c'est citoyens qui respectent de la loi de la justice de notre pays. Au contraire, bien et mal, pour nous voir exemple, il y a qui connaît la chapitre au Caribéo, pour nous dire, mais route là pour y aller, il faut aller devant la justice, il n'y a pas besoin de quitter au bois eux-mêmes, d'ailleurs qu'on est eux fautif déjà. N'a pas fait pour grâce exemple pour Léonard qui est en cavale pour y rejoindre. N'a pas fait pour son sur la familia que coup de cassation, cassant jugement demandé pour l'entrée pénitentiaire pour la justice. N'a pas fait pour nous voir l'image là-bas, Yolette Mengual qui la justice demandé pour arrêter, pour arrêter. Nous respectons la loi. Nous pouvons aller depuis nous joindre l'invitation et depuis le respecter les normes et depuis que l'avocat nous disponible. Docteur Chile Ludor, il y a plus d'importance avec convocation ça ou bien son convocation libre à la légère? En convocation comme toutes les autres. Convocation, babal, ni une importance de mesurer. Je suis un citoyen, la justice a besoin de me parler, de m'écouter, de me poser des questions. Et si maintenant, des pour l'autre société, pas qu'à répondre à la justice. Ça reproche au puni par le code pénal haïtien. Pinga ou tout kembo, non, docteur Chile Ludor. Ou ka tout kembo en bas. Depuis le kembo, son la famille avant. Il kembo tout nek Petro-Caribéa.
yo avant, il kembe yo Let Mengual, il kembe Léonard, et puis le kembe tout nèg sa ou kembe Jovenel, il voyait pas Jovenel qui volait l'argent Petro-Caribe ya, mais ça n'a pas parlé pour d'accord pour kembe, nous fin kembe tout vol sa yo. Ça yo reproche là dans yo à docteur Chile Louis-Dor, c'est incitation et excitation toi la violence, ça yo puni par le code pénal haïtien. Est-ce que ou même ou pas fait de déclaration estimée qui t'a incité mon à la violence? Nous toujours dit ça tout le temps que m'bana a fait violence. Et nous toujours dit pays ça, son pays qui pas un côté même pour faire l'embrasé. Nous regrette ouais, que le commissaire choisit ça qui fait le plaisir. Mais si le commissaire parlait de violence, s'il est nous dénoncer Jovenel qui volait tout l'argent paysan et que nous dit fond des boulons, c'est ça violence, nous assumons. S'il nous dit que le peuple a vu dans la grâce pendant que Jovenel a fini la paysan et il pas en élu son président nous a inculpé, ça, ok, c'est violence. Si nous dénoncer des gens qui prêtaient des millions de gouttes dans Ona qui parient mettre ça, c'est violence, c'est violence. Si nous dénoncer des contrats près de 123 millions de dollars sans appel d'or que Jovenel paye 100 000, ils ont dit c'est violence, c'est violence. Si nous dénoncer jurés qui a près de 8 millions de dollars qui louent Jovenel hélicoptère pour Jovenel argent, c'est ça, violence, c'est violence. Et c'est ma déclaration. Docteur Chile Louis-Dor a répondu convocation commissaire gouvernement, votre prince là, mais tout n'aime clamé d'amé, c'est ça? Une invitation pour qu'on c'est sur réseau Mouel, depuis nous joignons et que avocat m'y a estimé qu'il est en pleine et bonne et due forme et il est disponible à aller parce que je suis un homme respectueux de la loi et de la constitution de mon pays. Voilà de ce côté, docteur Chile Louis-Dor, mais avant de nous côté sur le dossier manifant, il est important pour nous mettre à attirer attention aux autorités, surtout au service circulation romanais samedi, par rapport avec gros camion ça lui-même qui croisait en quoi dans zone commune Gressier, depuis hier qui bloquait circulation, hein, machine qui a sorti Léogane qui a des difficultés pour capable entrer dans Port-au-Prince dans cette ville-là, même toute machine qui a sorti cette ville-là qui a des difficultés pour eux-mêmes, tout si arrivé zone Léogane aller dans leur département, dans notre région sud-là, mais il est important avec service circulation dans PNH là, mais lui-même depuis hier situation difficile pour machine traversée à cause camion ça lui-même qui croise en quoi qui gagne pile charge là-dedans, eh bien il est clair que eh bien autorité captant des journal là surtout dans service circulation dans PNH là, eh bien fait diligence pour regarder est-ce qu'on capable débloquer route là, retirer camion ça qui croise en quoi dans route là, eh bien qui empêcher eh bien population lui-même surtout machine lui-même passer dans zone Gressier pour depuis hier jusqu'à matin là, eh bien information radio méga salle nouvelle la gagne jusqu'à présent situation lui-même li difficile par rapport avec machine pour traverser qui par rapport à cause marche camion ça qui encore m'a dit qui croise en quoi dans route là dans commune Gressier. On a gardé dans l'autre côté docteur Chile lui demande population à continuer mobiliser ouais par ouais à partir du 17 octobre qui venir là pour continuer demander départ président Jovenel Moïse ce pouvoir avec force et la justice à faire lumière sous dossier Petro Caribe. On écoute docteur Chile lui donne une fois dans micro Romanès samedi. On va quoi dans violence et ouais que peuple a sorti 17 18 19 pour le déboulonner Jovenel, pour déboulonner le système ça, et pour prendre le monde qui te volait l'argent Petro-Caribe, hein, sans violence, pour dire la justice meilleure, mais le monde qui te volait l'argent Petro-Caribe. Rendez-vous quand c'est 17 octobre, docteur Chile Louis-Dor, toujours même mot d'ordre là? Même mot d'ordre là, chercher ceux qui volaient l'argent Petro-Caribe, remettre au bail la justice sans brutalité, sans violence, déboulonner Jovenel Moïse, déboulonner le système ça, déboulonner le système pourri ça qui crée une misère dans le pays, hein, et des opérations ça déclenché le 17 octobre et nous par contre qui l'a fini. Voilà, docteur Chile Louis-Dor, mesdames, messieurs, fondi sous convocation docteur Chile Louis-Dor, paquet Port-au-Prince, conseil défense docteur Chile Louis-Dor qui gagne la donne, maître avocat Gervais Charles, Axel Joseph, Marc-Arthur, Jean-Louis et André Michel. Ils ont confirmé vraiment qu'il y a une correspondance qui invitait Dr. Chile Louis-Dor pour le présenter dans le parquet Port-au-Prince jeudi 5 octobre 2018 là, à 2h30. Mais en conséquence, ils ont dit qu'on a une requête, ils ont voyé par le commissaire Martin, vendredi ça même, commissaire gouvernement Port-au-Prince la mettre au clamé d'Améus, pour être capable de solliciter, pour être capable de demander de reporter convocation ça pour eux par rapport avec indisponibilité membre conseil défense là, la parlé là tout de avocat maître et docteur Chile Louis-Dor qui t'a semblé pas disponible, c'est ça maître André Michel fait connaître tout, mais tout lui dit gagner certain vice de forme non convocation ça conseil défense là, il considère convocation comme une manœuvre intimidation politique pour être capable casser mobilisation citoyenne la qu'a fait 17 octobre qu'a vinn là pour capable demander côté l'argent Petro-Caribe a passé
Toutefois, mais André Michel fait qu'on est conseil défense là, il réitère engagement, yo détermination yo pour combattre toute manœuvre dilatoire qu'a fait sous terrain droit à justice là. Pour conseil là, c'est maître André Michel qui voyait notre ça pour nous. Il dit que il a invité ou bien a écrit commissaire gouvernement Jody Ablaise pour yo capable dire avocat docteur Chile Louis Doyo, yo pas disponible qui donc yo pas ka descendre journée jodi a, mais toutefois le rappeler c'est une manœuvre pour capable casser mobilisation qu'a fait 17 octobre. N'a voici avec information Mané samedi après au fin les notes que M. André Michel lui-même a fait sortir sous question convocation docteur Chile Ludo que jeudi à la commissaire gouvernement Port-au-Prince à Haute Namka Mme Issa Fell pour répondre question sous ensemble de paroles incitation à la faire la violence dans une série média d'après commissaire que le jugé que docteur Chile Ludo est trop violent dans parole d'io. La police a pas tous les pièces monde fait des ordres dans manifestation qui prévoit dérouler dans capitale là 17 octobre qu'a venir là d'après porte-parole PNH à Michel-Ange lui jeune qui fait qu'on est force l'audio à Paris pour sécuriser manifestants yo, mais Michel-Ange lui jeune invité manifestants au faire passer revendication yo, Jean la loi mandé ça. En écoutez porte-parole PNH là Michel-Ange lui jeune qui t'a parlé concernant micro collaborateur nous Josué Belamour. Pour manifestation 17 octobre qui prévoit au DIM, nous non espace démocratique, nous bay tête nous ça comme principe. Tout le monde pour des raisons pa yo ka investi voie publique là pour yo manifester. Yo gen provision légale pour ça. Mais cependant, gen condition faut que yo réuni pour sa fête. Faut qu'il fait dans les normes prévues par la loi et les règlements du pays. À aucun moment de la durée, la police pas permettre aucun monde investir espace public là pour faire des ordres. Tout le monde qui a une volonté pour manifester sur espace public là, manifestation pas voulait dire ni craser ni briser. Chaque monde qui voulait monter sur espace public là pour manifester, pour faire passer une quelconque revendication, il y a un droit pour le faire. Mais il y a vivre dans la société à tout. Et il y a là tout pour garantir à qui démocratique que la société a déjà gagné. À chaque fois que vous prenez route pour craser soit machine yon l'autre monde, soit business yon moun, soit appartement yon moun, caillou yon moun, donc la police pas parler de bois croisé pour ça. Et la police pas on bagaille dans tête le 17 octobre comme si on bagaille spécial qu'a pas le fait le 17 octobre. Chaque jour la police travaille et jour 17 octobre là elle rivé l'a toujours prend responsabilité, l'a travaille. Et état major la police là, commandement la police là, tout directeur départemental, toute unité spécialisée dans la police là recevoir instruction pour yo travail chaque jour pour bail moun k'a prend la rue pour manifester, bail orientation, bail sécurité pour manifester dans les conditions prévues par la loi et moun qui pas concerné par manifestation pour vaquer à activité yo normalement et c'est ça que tout moun dans la police là recevoir comme instruction. Sénateur Antonio Cherami Don Cato dénoncé pouvoir en place là, il dit qu'il déjà voulait intimider population hein, pour décourager le manifester 17 octobre qu'a vienne là pour la chercher coûte cob pétro caribé à passer. Sénateur l'Ouest la prend comme exemple dernière déclaration secrétaire d'État sécurité publique là Ronsa Saint-Cyr qui te fait qu'on est pas tolérer aucun désordre fait 17 octobre qu'a vienne là. Antonio Cherami critiqué pouvoir lui dit qu'il déjà a simaé l'argent en basion pour capable décourager masse peuple la sorti dans la rue pour manifester. Sénateur l'Ouest Antonio Cherami tenant micro Radio Mega. Ou c'est secrétaire d'État, sécurité publique, au lieu comme si, ou t'as pris mesure pour protéger moun, qu'on y a ou entré dans, mais nous faisons politique, nous comprenons démarche là. Démarche là, c'est intimider moun qui sougoumè. Démarche là, c'est intimider moun qui a dit, côté l'argent pétro caribé. Yo t'es retiré dossier à la dans parlement, yo pensez dossier à t'avoir le fait mon côté. Mais, chef nous qui c'est peuple là, t'es couvert. Eh bien, qui s'accrivé, monsieur là, je dis à vous, pas piqué. Seul gens pour casser mouvement, seul gens pour casser mobilisation population, c'est 10 coups d'état pour le faire pour marcher craser zo jeune garçon. Et ben m'a dit dans le département l'ouest là et dans tout respect il y a n'a voyager n'a veiller et m'ba garanti par gon militant yo pour l'arrêter sous prétexte que c'est coup d'état on t'a pas le faire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des choucages? Pas des monde qui remet des choucages non, pas des monde sous la terre qui remet des choucages. Et c'est ça qui fait nous toujours dire l'état agit pas quitter comme si m'te ka dou peuple a cherché les peuple c'est li k'a cherché justice pas ka dire mais qui côté l'argent moun gagoté ou vin quitter ce peuple qui a cherché contre l'argent, l'État démissionné. Et je pense que je dis, c'est rapport ça pour qu'il gagne, il faut que la population avec le peuple a mis tête avec l'État 40 ans sur qui
ça ou vle comme pays. Depuis peuple mobilisé, pouvoir toujours penser la geti kob nan men Détroit proche ka changer bagay la. Mais si ou pas changer condition vie moun yo. Par exemple, jodi a m toujours dit, c'est peuple là qui en difficulté et li en difficulté tout côté. Partisan Lavalas nan la ria yo en difficulté, partisan PHTK en difficulté, partisan tout parti yo en difficulté parce que mafia yo entend yo pou kob la pa descend al joine masse défavorisé a. Et bien jodi a ki sak passé. Yo tande peuple a mobilisé pour le fait de voile 17 octobre et pour joindre un secrétaire d'état sécurité publique qui gétan dit c'est coup d'état pour le bail yo ranger avec toutes amis yo pour dire c'est coup d'état pour le bail pour marcher craser zo militants qui a mobilisé combien comme qui bail sénateur nek ça on l'a foué mais yo bon même comme Petro Caribe ou c'est mandé tout monde a mandé côté ça veut dire ou pas c'est au fur et à mesure on compte quantité dégâts nek ça on fait dans l'état moi même ça qui important aujourd'hui pour moi c'est pour me dire secrétaire d'état sécurité publique là il pas venir intimider personne monde qui a bataille en dans pays monsieur dit 17 octobre il a fait mouvement yo. Même Jean habitué faire ou supposé comme l'état et m'a dit ça tout on bouteille écrasé 17 octobre secrétaire d'état sécurité publique là pour venir rendre compte parce qu'on dit qu'on connaît tout plein yo ça veut dire sous qu'on est plein yo ou que pour aller sécuriser moun yo dans la rue. Voilà, de ce côté, sénateur l'Ouest Antonio Jérémy lui-même qui saute vraiment et est capable de parler avec yo ton. Et concernant déclaration secrétaire d'état sécurité publique là on ça sincère fait avant hier dans quatre conférences que l'IT gagné avec la presse ça vous dit que ben au même bon côté autorité et il y a sans pitié pour tout le monde qui t'a gagné attention venir faire désordre dans je manif 17 là et capable comprendre Romanet c'est que 17 octobre là bien opposition hein, secteur démocratique là il semble annoncer la couleur parce que ça t'y gon véritable mobilisation qu'a fait bon côté secteur démocratique là même bon côté des organisations de base qui proche pour 17 octobre ça qui tout qui c'est une gros date capable dit la mort empereur Jean-Jacques Dessalines ça veut dire tellement d'activités qu'a fait dans jour ça m'a demandé est-ce que toute bagarre pas focus sous et gros journée mobilisation ça et ceci c'est pas seulement dans zone métropolitaine mais que les pressions galère c'est parce que tout pays a monsieur yo dans opposition même il a essayé mobiliser tout allié yo dans toute l'autre représentant dans l'autre commune de département yo pour capable organiser un gros mouvement j'ai dit une pour yo objectif mouvement ça selon appel là yo c'est continuer exiger départ président Jovenel Moïse et mandé tout côté COP Petro-Caribe à passer. Effectivement, Jean 4 sénateur Antonio Jérémy donne 4 sous deal et on s'est sincère dit que l'absence pitié et ou déjà préparé aussi un coup d'état. Donc le normal vraiment sous qu'on est son coup d'état comme responsable sécurité publique dans pays un jour protéger population hein. La police oui, même fait travail ou la justice donc, tout ça ça veut dire mais selon moi il va prendre déclaration ça pour bah trop importance non. Je vais pas le trop importance par rapport avec ça ou gagne comme objectif qui c'est continuer manifester. Donc s'il y a continuer manifester c'est responsable et la police, la justice pour continuer à assumer responsabilité yo par rapport avec ça qu'a passé 17 octobre qu'a vinn là. Mais ça qui suis certain c'est pas dans capitale là c'est seul et c'est tout pays là qui gagne manifestation. Mais c'est pas seulement non, on s'assied sur gagne papa Pierre Nachat, Michel-Ange qui parlait que Michel-Ange. Oui, Michel-Ange Lujan pardon, qui est même Michel-Ange mais c'est seulement c'est génial avec Lujan. Si toi Michel-Ange donc tu as choisi Michel-Ange Lujan comme pour pas. Ça veut dire que il y a même tout bon côté dans la police, il y a pas toute disposition tout pour il même capable et compter carré à tout le monde qui t'a décidé de faire désordre dans une manifestation qui prévoit pour 17 octobre cap venir là. Non, pays à moi. Ça que suis certain, Radio Mega là. Depuis le 16, nous souhaitons nous tout lagé net. Vous comprenez, nous lagé net. Quel que soit côté bagalaye, n'ab gardé ça. La police a fait, ça ronde sa sincère à faire. Qu'on sa tout n'ab gardé, qui sa protestateur ou alvé. N'a toujours été dans le cadre dossier ça, réseau étudiant pour démocratie annoncé à Pile Béton en jour cap 17 octobre 2018 là, pour continuer à exiger l'État prend responsabilité là, pour faire lumière sur dossier Petro-Caribéa. Étudiant a été profité, confirmé, présentation dans la mobilisation générale là, qui prévoit, dans tout pays là, pour 17 octobre, cap venir là, dans même l'idée, chercher côté comme Petro-Caribéa passé. En côté Rubens, Joseph Ak, lui, jeune Augustin, c'est des étudiants qui m'aiment réseau ça, ils ont parlé comme ça dans le micro. Radio Mega. On a demandé pour l'État mettre tête ensemble avec toi à l'Université de l'État pour retirer nous non étudiants en battant depuis 8 l'année. On a demandé pour les Parisiens mobiliser contre le gouvernement Moïse
Parce que chef gouvernement te dit la réduit dépense l'État, nous avons ces trois ministères qui mettent sous sa gain déjà. Nous avons demandé pour la population arrêter de mobiliser pour rejoindre côté l'agent Petro-Caribé à passer. Nous avons bataillé pour la justice marée tout coupable. Nous avons fait la population reconnaître, étudiants qui sont dans l'université l'État, après toute activité ont décidé de faire pour rejoindre comment l'agent Petro-Caribé à passer. Nous-mêmes, étudiants, nous avons pris la RIA depuis 15 octobre pour nous chercher dans qui 14 villes ça et qu'il paye Jovenel Moïse qui dit qu'il y a quoi 24 sur 24 là. 17 octobre 2, l'Université de l'État a pris la RIA avec le peuple pour demander côté l'agent Petro-Caribé à passer. Nous avons couru toute forme de revendication qui a fait tout côté dans le pays pour faire Jovenel Moïse quitter tête l'État comme incompétent. 15 octobre là, il y a début bataille étudiant yo nan causé Petro-Caribé à 15 octobre là et vle a représenter entrer nous nan souterrain bataille sous macadam nan pour nous aider population joindre qui côté l'argent Petro-Caribé a passé et pour goumen ensemble population pour nous faire la justice rivé identifier parce que nous connaît gon mobilisation générale qui a annoncé pour 17 octobre nous même étudiants n'a gétan occupé macadam nan depuis avant pour nous faire l'état qu'on est université a entré dans bataille là université a décidé répondre à mission qui c'est accompagner population pour capable joindre mieux être donc c'est ça que nous mêmes étudiants qui en dedans université l'état qui c'est membre yon paquet organisation n'a décidé depuis 15 octobre Inagé, sciences humaines, Yera, Fla, faculté de droit, ethnologie, n'a bloqué zone nous pour nous aider, pour nous commencer, faire pouvoir sentir, nous comprendre ce qu'a fait là, nous comprendre en essayant libre comme PM, cap marcher, visiter toute institution pour voir comment causer Petro-Caribé à marcher. Réseau étudiant pour démocratie, mesdames, messieurs. Dans une conférence pour la presse ailleurs, jeudi 4 octobre, là, porte-parole opposition Kalejia, Alexandre Asnel, mandé président République, la Jovenel Moïse, remettre démission, le pressé dans tête pouvoir. Militant politique, là, qui baille plusieurs raisons qui montrent que les nègres n'ont pas une place li palais national. Mandé opposition adopté Jean Risseyan comme président provisoire pays d'Haïti. Alexandre Asnel a baille plus de détails dans Mikou Radio Mega. Nous réunis la matin pour nous faire appel à toute parti politique, à organisation qui dans l'opposition, pour nous accepter Jean Risseyan comme pion, pour nous débarrasser Paléa de Jovenel. Si tout bon vrai, nous voulons pour Jovenel démissionner. Il y a plusieurs raisons qui permettent l'opposition Kalejé mander ça. Mais avant tout, qui t'aime dit journaliste qui est habitué avec Kalejé pendant des ans, sans y'a pas besoin de courir à l'fouiller zone à Kalalou, il dit qu'il engage Kalejé à bail là. Nous clair, nous dans la guerre nous-mêmes, nous dans la bataille. Jusqu'à présent, quand on a parlé là, par aucun dirigeant Kalejé que j'aime chita avec Henri Seyan comme premier ministre. Mais comme politique, c'est stratégie. C'est ça que fait nous-mêmes dans l'opposition Kalejé, nous prenons chimé ça, je dis à vous nous, c'est la joie de vous, Jovenel. Première raison, cabinet gouvernement ça qui là, c'est pas un Jean-Henri Seyan qui monte. Si c'est Jean-Henri Seyan qui t'a monté un cabinet gouvernement, il pas t'a monté comme ça. Et faut que nous pas oublier, député sénateur te dit après 6 7 8 hier, yo pas t'a mettre ministre dans gouvernement alors que c'est yo, c'est Matéli avec Jovenel qui monte gouvernement sans coûter le peuple. Deuxième bagaille, Jovenel pas qu'il doit arrêter dans parler encore. Monsieur à Nations Unies, il dit pays a pas de problème. Il y a 14 villes qui est courant 24 sur 24. Voilà, mesdames, messieurs, n'a quitté département ça. On a regardé comment la situation est. Wanamet, t'assemblé gagné Maître Wando Saint-Villiers qui lui-même qui a porté précision pour nous par rapport avec un incident qui t'a passé hier dans une machine côté gagné deux juges qui t'assemblé victime de machine ça. On a regardé qui ça bagaille là. Maître Wando Saint-Villiers, bonjour, bienvenue dans le journal Mega Matin sur Radio Mega. Bonjour, m'absalue Maître Wando, m'absalue tout auditeur auditrice capitaine de radio dans matin ça. Et dit expliquer pour nous qui ça s'est passé, qui ça incident yé. Bon, et il y a deux juges qui monde dans circonscription monte organisé, c'est Oswald Joseph avec Godlin Joseph. Donc c'est deux cousins yé. Donc yo t'a en fait patronal dans circonscription ça qui précisément dans zone Sapoti. Et puis après yo sorti dans fait patronal là, yo t'a rentré Port-au-Prince. Et il se trouve que rivière on a maintenant li en couille et puis chauffeur a tenté pour le traverser mais malheureusement li pas arrivé traverser te gen yo sept qui dans machine là l'eau a botté machine là bon li doit le mettre machine là côté dans zone là yo joine dans machine là juge Godli Joseph
lui-même qui non état très critique depuis hier soir, il t'a cherché pour bal soin dans un endroit là mais malheureusement il a pas qu'à joindre les possibilités pour bal soin que cal nécessité. Il t'a tenté traverser avec la République dominicaine, mais on connaît les frontières là ont été fermées. Et puis il t'a joindre Théo 7 qui est dans la machine, il était joué trois autres mondes, mais qui mourit. Et il y a un juge, Oswald Joseph, lui-même, et qui portait disparu avec trois mondes et qui n'ont pas joué encore. Donc, c'est comme ça. Ça y est, et jusqu'à Kounia, nous pouvons gagner information si est-ce que vous avez joué juge là vivant, côté que Ploratakala la genon, soit en route, ou bien, ou côté quelconque, ou du moins, est-ce que, il y a un cadavre là, et sous, dans zone rivière là, ou bien dans la mer. Mais ça qui réel, c'est que, l'hypothèse est disparue, il y a une machine là, mais il n'y a pas joint ni, il y a avec lui, avec deux autres monde encore, et puis l'autre est, 4 mounio, j'aime d'Olan, qui est 3 qui m'ont là dedans et puis gagné un juge qui s'est cousiné, tout, qui était là, et, mais aujourd'hui, non, il était très critique. Mais, nous, doué, matin, après, c'est informé pour que nous connaissions, dans qui nous commençons à y pour santé, est-ce que, il a privé traverser la République Dominicaine avec lui pour qu'il ait capable les soins que tu as nécessité. Autorité protection civile, déjà sous les lieux, il y a déjà travail pour garder qui ça au café? Au niveau de magistrature, là, il y a un pile de contacts qui fait pour te alerter société et autorité et protection civile pour te alerter tout et de ministre comme ministre intérieur là, autorité locale et qui est de parlementaire dans la zone là, qui est au courant de ça. C'était question pour que tu sois capable de faire des recherches parce qu'on connaît quand on de l'eau, on rivière qui en couche, qui partait avec au monde. Donc c'est vraiment grave parce que et ces courses même blouant et l'autre soit branche bois ou bien de l'autre objet que tu dois porter mon n'a pas frappé et donc c'est à dire l'idée c'était ouais est-ce que tu es capable de joindre pendant la recherche si toutefois il est encore vivant et ouais comment on est capable de courir l'hôpital avec lui pour les soins mais jusqu'à présent. Donc, encore hier soir, très tard, et nous avons cherché des informations, il n'y a pas de jambes capables de joindre. C'est seulement jambes d'Olan, juge Godli, qui joignent, mais qui n'est pas capable de prendre joindre soin, parce qu'on connaît notre problème en termes d'infrastructure sanitaire. Et puis, l'autre, trois mouns étaient jeunes avec lui, ils étaient morts. Et trois autres mouns, donc, il n'y a pas jambes qu'à joindre, parmi eux, juge Oswald Joseph, qui s'est jugé juge d'instruction dans le tribunal de première instance et de Port-au-Prince. Merci, Maître Wando Saint-Villier. D'accord, merci, bonne journée. Voilà, Maître Wando Saint-Villier, mesdames, messieurs, qui t'a porté précision sur la situation sablaise, qui passait Wanamet, côté gain deux juges, qui t'a sorti dans l'activité, des capables d'activité familiale, puisque c'est une proche qui t'a fait activité, hein, ben, gagné Oswald avec Godeline Joseph. Eh bien, ça passe rivière Wanamet là. Il descend et puis il prend machine qui était gain juge là-dedans. Gain juge Audley Joseph lui-même, il joint lui. Il n'a pas critique, mais problème frontière, nous pas capable, il pas capable de traverser avec pour entrer en République Dominicaine. Alors ce que pas gagné moyen tout pour capable tabali et soin calme mérité dans Wanamet. Eh bien, il y a l'autre juge qui c'est juge Oswald Joseph lui-même qui portait disparu jusqu'à présent. Il a cherché le. Yo pas capable joindre ni te gagne quatre autres monde qui était dans la machine là gagne trois mouri c'est ça Maître Wando Saint-Villier et Bano là ça n'était capable gagne comme bilan nous était capable dit juge Audley Joseph yo joindre ni mais li no état critique gagne juge Oswald Joseph qui lui-même porté disparu et gagne trois monde qui mouri dans l'autre monde qui dans la machine. Ça veut dire que le problème non c'est que là et bon c'est madame c'est toujours dit chaque matin c'est en pile prudence pour côté et mounio la traversée rivière parce que nous connaissons toujours dans saison cyclonique là qui a fini jusqu'à mois novembre. Ça veut dire en pile prudence pour côté mounio la traversée et vous déjà nous entendez avec Jean de Saint-Villier ça qui arrivait dans Wanamet côté que on dit que famille ça presque plusieurs monde là dans même déjà juge qui t'a participé dans ça en fait patronal maintenant retourner yo
il a tenté pour traverser une rivière mais ça qui arrivé bon c'est que faut nous toujours prudent la population Jean madame toujours toujours chaque matin et là la traverser rivière surtout si nous est de l'eau aller même la descendre rivière à descendre ça veut dire que un peu de prudence parce qu'il y a des sacs rivés et rivière même là t'as l'a dormi mais c'est la question de l'eau aller même son l'autre bagaille et le moment la descendre c'est que grand pile la dégale capable causer nous souhaitons toutes informations savoir avec juge Juan de Saint-Villiers les mêmes qui c'est président association professionnelle magistrat IJO qui se banne toutes informations sur incidence qui arrivé dans zone Wana met Romanes samedi. Makelin avance avec information dans journal Mega Matin. Jean Tabzil t'allait assis opposition lui-même la paré pour le pile béton mais pour voir lui-même bon côté pas activité a préparé pour capable marquer date ça qui c'est 17 octobre qui marqué date la mort empire nation qui c'est Jean-Jacques Dessalines. Ben en conférence pour la presse hier jeudi à Primatia ministre pour action civique là Edwin Charles annoncé différentes activités prévoir pour commémorer la mort Jean-Jacques Dessalines 17 octobre qui vient là 10,000 jeunes qui sortent dans quartier populaire pral mobiliser pour yon ensemble activité sportive tant qu'au athlétisme et la trier en plus explication à Camini Sport Edwin Charles il était parlé dans micro Jean-Philippe Masséan en écouter essayant de favoriser à travers le sport et les loisirs le rapprochement entre le gouvernement et la population haïtienne en général et les jeunes en particulier mettant ainsi en valeur l'idéal de s'aligner dans un contexte actuel. À travers ces activités, environ 10 000 jeunes, en majorité des écoliers et des sportifs, seront mobilisés à travers le pays, notamment dans les quartiers vulnérables, défavorisés, dans une saine ambiance de divertissement, de solidarité, de fraternité, d'unité et d'inclusion sociale. D'abord en athlétisme, en partenariat avec la Fédération d'athlétisme amateur. Le week-end du 13 et 14 octobre verra le centre Sport pour l'espoir, accueillir plus de 600 athlètes de catégories allant du poussin, benjamin, minime, U17, U20 et open. Dans une série d'épreuves de vitesse, d'endurance, de saut, de lancer. Dans cette même perspective, un marathon baptisé Marathon de l'Empereur sera réalisé dans l'après-midi du 17 octobre avec la participation de plus de 3000 jeunes. Sur le plan sportif, surtout au niveau du football. Sous les labels du tournoi de l'Empereur, un ensemble de compétitions seront organisées dans les centres sportifs métropolitains avec la participation d'équipes issues des quartiers vulnérables et auront lieu sous l'égide des comités de quartier et ou associations communautaires. Parade et hommage à l'Empereur. Un grand défilé civique réunissant environ 3000 jeunes écoliers rendant hommage au père fondateur de la patrie haïtienne sera organisé avec l'implication d'écoles de musique, fanfare, majorette et corps d'honneur marchant au paramilitaire. Ces jeunes seront recrutés puis entraînés par les techniciens et cadres du ministère avec l'appui du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Il y aura d'autres activités socio-culturelles et civiques, conférences, débats, veillées patriotiques, surtout à la Saline, au Pont-Rouge. Déploiement de brigadiers seront organisés par le ministère dans certains quartiers de la région métropolitaine en vue de mettre en relief l'idéal des Saliniens d'unité et d'inclusion sociale. Merci. Voilà, Edwin Charles, mesdames, messieurs, c'est ministre, sport avec action civique. Gagné porte-parole PNH, là, Michel-Louis Jeune, qui fait qu'on est. La police a cherché tant coup chien fou, Yves Léonard, pour mener le bail la justice pour Zach Maspina et les commettre. Sous magistrat tabar, là, ni Simon, tout le monde connaît les Anne. Michel-Louis Jeune, n'a demandé quel que soit le monde qui gagne information sous côté Yves Léonard caché. Contactez la police rapide pour être capable à le fouquer, mener le bail la justice. En côté porte-parole PNH là, Michel-Louis Jeune, lieutenant micro Josué Bellamont. Monsieur Léonard est activement recherché par les autorités judiciaires et policières. Ou madame Silla n'a pas. Depuis nous qu'on côté lié n'a pas prendre connait là. Il est activement recherché par les autorités judiciaires et la police. Et nous mandé tout le monde qui t'a donné information, qui compte côté connait là, yo ka jeune monsieur Léonard relé dans 38 38 11 11. Tout intéressé voisin, la presse, cabinet d'avocat, tout le monde net qui est actuellement là, côté monsieur Yves Léonaye, relé dans 38 38 11 11, et m'bon garanti patrouille police qui est prêt à briver sous lui. Son dossier qui est déjà saisi par la justice. La justice saisit des dossiers. Hein? Dès que la justice saisit des dossiers, il baille la police toujours là pour l'exécuter. Donc ça veut dire que c'est un monsieur qui est activement recherché, tant par les autorités policières que par les autorités judiciaires.
Michelin Illusion, mesdames, messieurs, c'est porte-parole PNH, Police Nationale d'Haïti. Moment arrivé, mesdames, messieurs, pour nous faire un premier campé dans le journal ça. Mais qui te rappelé quelques points n'a gagné pour nous débattre l'entourner. Association Femmes Kazek et Association Eli Local dans la région métropolitaine là. Yo dénoncé matrakay politique. Yo dit député Deus Deonet a fait dans dossier visa ministère intérieur à bay et li local yo. Yo manière pour yo capable à pas participer dans formation dans pays États-Unis. Len tourné n'a vinn sous dossier ça. Gagné vice-président Sénat République là Pierre-François Sildon. Li dénoncé une série de sénateurs pas jamais mettre point de pied en bas dans parlement pour capable participer dans séance yo li même cité avant été doué gon séance qui était doué faite c'est 16 sénateurs y a besoin pour faire séance et ben c'est 15 qui était là pour yon grain sénateur pas là yo pas capable faire séance n'a rappelé c'est 29 sénateurs gagnant et ben c'est 15 qui était en bas côté reste yo pour kokone. Finalement, Goud la passe pas prend patasuel en bas main dollar américain et ça a interpellé plusieurs parlementaires. Len Tounen a bien pour parler sous dossier ça. Gagné porte-parole PNH là, Michel Louis Jeune qui présentait hier jeudi à bilan opération DCPJ mené pour mois septembre là dans 6 départements pays à parmi l'ouest, nord-est, la Tibonite sud pour ne citer ça seulement. Len Tounen n'a gagné pour nous parler des dossiers ça yo. Premier ministre Jean-Henri Seyen dans discours circonstance il était participé dans activité ça non atelier travail, a bel montré volonté différents acteurs ou doué gagner dans pays a pour capable finalement baisser ça nous était capable les cherté de la vie a gagner un task force qui déjà mettait sous pied là d'après Jean-Henri Seyen pour capable baisser et problème insécurité alimentaire qui gagner dans pays ça d'après premier ministre Jean-Henri Seyen. N'a rappelé soit peine branché ou suivre dernier rendez-vous journal méga matin si ou prendre Port-au-Prince nous sous 103.7 CAI 89.3 Jérémine sous 89.1 Gonaïve 106.3 Cap Haïtien sous 107.3 Port-de-Paix sous 95.5 sous Miami ou prendre sous 1700 AM et comme ça tout gagner fréquence 12-10 AM nous live sous lui c'est méga matin radio AC radio méga n'a pas premier camp Nelson McKinley. N'a pas tourné pour cette information. Sur Femme Kazek avec l'association élu locale dans la région métropolitaine, dénoncé sa relé matraquage à politique, yo dit député de USAD Honnête a fait dans dossier visa ministère intérieur bay élu local yo manière pour aller participer dans formation dans pays États-Unis sur domaine leadership et entrepreneuriat. Kazek 5e section Bellevue Chardonnière Judas Charles fait connaître série déclaration parlementaire fait sous dossier visa. C'est en façon pour capable remplacer DG ministère intérieur qui s'est Fidnel mon chéri, dans poste li. En écouté Judchal là pour plus de détails dans micro Radio Mega. Nous sentis qu'on matraquaille, qu'on maquillage a fait sous dossier visa. Nous dit que c'est une formation que le ministère de l'Intérieur t'a fait, tu vois ça avec Kazek yo, et puis, moun qui a fait une formation avec nous. Mais, Fidel Mochéri étant DG, t'es aidé dans la préparation pour nous faire une visa. Mais Fidel Mochéri n'a pas qu'un moyen que l'argent vienne dans la main. Je dis, nous sommes, gros monsieur, sous nos députés, de honnête, moun Marigo, qui vient casser pour Kazek honnête. Je dis, Kazek c'est tes poules, Kazek pas monter table, Kazek pas gagner projet. Je dis, là, aucun projet dans le ministère, nous pas gagner. Je ne vais pas payer nous. Et bien, de on est venu avec toute vitesse, qui oublie aujourd'hui, je ne vais pas faire l'élection indienne pour déléguer. L'oublie si la collectivité a une loi qui ne va pas voter. Et bien, il vient avec deux pieds, tout le monde vient de ministère de l'Intérieur. Député, ministère de l'Intérieur, c'est pour casser qui va pour débuter. Nous, tous, c'est tout ça. Et nous, le président, tout, ça fait là, son préparation, coup d'état lié. Une fois fait de l'intérieur encore, une fois casser qui a commencé à dégrainer, et bien, il y a tout le sous. Et bien, sans pile député, qui campait des dossiers, je veux donner devant. Et bien, nous lui disons honnête, ou pas que comme ça, non, parce que nous connaissons chaque soir, j'ai plus d'éviter avec quoi le coup, fessio, calmasse, sur le masque là, pour faire coup d'état. N'a fait haut, n'a fait en bas. Et bien, nous tous disons là, affaire visa, tabay là, oui, grand pile de parti. Ça qui arrive, fait visa, l'autre monde qui a fait matin, il dit, il a fait voyage. Mais finalement, chéri, pas au courant de ça qui a passé là. Mais je dis à son cas, pour le président, tenez, réel Kazek, pendant nous là, le groupe Kazek qui est là, il y a 10 Kazek, mais ça va passer. Il n'y a pas un coup d'état pour casser pour être nous. Même nous, les députés, ils viennent avec loi pour dire pareil Kazek encore. On se casse la communauté, et même bien compté, mal calculé. Nous plus fort, nous plus, nous plus fort. Eh bien, ça va arriver, il y a 4 grands ministères qui sont capables de voir un jour. De la communauté, car elle voit un mais ça m'a dit pour autre, je dis, si vous avez une activité en nos pays, il y a des gens qui ont participé, mais c'est clair, oui. Mais je dis, je ne sais pas quoi, les députés qui ont pris, ça n'est pas dossier lié. C'est les députés qui ont fait un matraquage, les députés qui ont arrêté la poche, ils ont côté signé.
Qu'est-ce qu'il y a? La poumon avec elle, c'est 2 semaines. Le s'est arrêté, depuis que j'ai arrêté dans mon nom, on m'a dit. On m'a dit arrêté avec mon gibaoula et tout ça va passer. On savait si ça depuis qu'il a passé été quelqu'un là. Depuis qu'il a besoin de passer directeur et de comme dossier. Comme dossier. Dossier à nos matériaux en un que nous tout connaissons. Et nous dit président. Sous quoi on fait ça, mais couvrez parce que la à mal. Voilà, plusieurs militants, mesdames, messieurs, Kazek, Azek, qui ont même qu'a fait sortir grief yo contre député et Marie Godeus de honnête. Mais fon dit Gemi Loubeti, yon en bénéficié programme formation ministère intérieur collectivité territoriale yo qui démenti information qui fait quoi directeur général MICT à Fidnel mon chéri, t'a impliqué jusqu'au cou dans vanne visa. Militant politique là qui fait qu'on est bénéficiaire à Paris pour porter plainte contre député Marigo Adeus de Honnet, yo fait quoi qui caché derrière accusation ça pour faire capital politique lien. Milou Beti té nan micro Germina Pierre Louis en coutel. Tout quartier populaire au Bazio, nous vinn là, nous vinn font solidarité avec DG Fidnel mon chéri qui gon paquet menace sous dol qui pas vrai. Nous-même, nous vinn là comme yo dit DG a vendre visa, nous vinn démenti, menti a bail sous DG Fidnel mon chéri qui pas vrai. Moi t'ai un participant tout qui t'ai voyagé, qui t'a long séminaire États-Unis, l'aime dériver dans séminaire là, on t'a prend information pour des cas vinn bail message là en Haïti. Séminaire là t'ai travaille sous deux fois. Te travaille sous leadership entrepreneuriat, yo te remet moins des certificats. Moi te sous États-Unis ensemble avec mes certificats là la presse. M'pa te connait nous te bail $3,000, nous va t'acheter visa $3,000 mes certificats pam. Nous vinn là, nous vinn dit tout ça. Cap dit sous DG Fidnel mon chéri yo. C'est accusé à pas accusé parce que yo pas vrai. Parce que li seron bon ennemi et sous li pour yo voye roche. Et ça fait ça à nous-mêmes jusqu'à nos jours go paquet moun cap fait politique en tête en bas, yo pas de comprendre. Visa yo yo te la pou militant yo la presse et des chèques vinn nan intérieur qui vinn découvrir nous même militant li di nous même militant k'ap voyager nous ka al pran des séries de bagay parce que li voyager loin ouais, comment moun ap viv nous même nous vinn la nous vinn di la presse avec débité de honnête capatisé DG Fidnel mon chéri même débité ça té gon liste li té poté pour DG té voyon paquet moun ni plus que 20 moun pour aller États-Unis al pour information n'a voyé pétition aller en puis pour nous convoquer débité ça pour nous traduire la justice pour le bail trace que DG a vendre visa $2,000-$3,000. L'autre information dans le journal Méga Matin, gagne vice-président Sénat République là, Pierre-François Sildor, qui critiquait quelques sénateurs, il dit, qui pas jamais vin dans le travail, ça qui mettait grand quoi dans gros difficulté pour faire séance. Sénateur Sida, qui croit parlementaire plus là, qui quoi yon dans campagne dans le département, yon souhaité, population prend note sur agissement sénateur Sayo qui refusait, vin fait job peuple là, t'es confié yon. Sénateur Pierre-François Sildor a parlé dans le micro, collaborateur nous, Romanès Samedi, sur dossier ça. La vérité, c'est que bon ensemble de sénateurs qui pas jugé bon que responsable pour venir faire séance, pour venir dans séance, pour voter le droit. Mais c'est ça, des cadeaux. Ils n'ont pas jugé pour venir alors qu'ils ont fait le travail pour faire. Pour en fait de responsabilité, responsabilité. Moi-même, vice-président sénat, nous faisons plus le temps à l'administration. Et monter dans la poste direction générale côté, là, 8h, 4h, 5h, ma travail. Parce qu'on a un travail pour faire. Ils n'ont pas demandé aux sénateurs de venir travailler pendant une semaine. Il y a 3 jours qui est extrêmement important, 2 jours de séance avec 1 jour de contrôle. L'autre 2 jours, c'est travaux en commission que le sénateur a fait. Si pas de travail, il t'a qu'à comprendre que tu as autant de désinvolture qu'on est à fâcher les parler comme ça, autant de désinvolture de la part de certains sénateurs. Mais il y a un pile travail qu'il faut faire et il est responsable pour nous donner pour nous faire travail. Donc c'est pas un affaire de travail à huis clos, pas aucun travail à huis clos. C'est sénateurs, son ensemble de sénateurs qui ne répondent. Par exemple, il y a 2 jours de cela, mardi dernier, on a planifié une séance plénière. 15 sénateurs présents. Finalement, Goudla Passispan préparation en bas de l'Américain, ça a interpellé sénateur Pierre-François Sildor. Après diverses injections, plusieurs millions de dollars sur le marché national, là, ça n'a pas empêché un lien devant Chit Goudla à Passispan prend. Vice-président Sénat République a encouragé le gouvernement rentrer col dans la production nationale là, qui était celle solution pour faire face carrière problème ça. Sénateur Sud, Pierre-François Sildor, pour une deuxième fois.
Porta dit maintenant, à ce moment-là, est-ce que le niveau de production attendu a été atteint? Ou encore, est-ce que le niveau de production prévu maintenant n'est pas atteint? Qu'il faut qu'on fasse sur l'autre côté. Donc ça, maintenant, c'est l'élément d'analyse fine pour aller dans tout élément yo, pour regarder maintenant qui ça qui cause que aucun problème. Aller. Injection de l'argent, goût de la pas inflation. Attention, injection, elle fait une injection monétaire. Là, il y a pensé que goût de la prend coup. C'est-à-dire pour stabiliser. Son stabilisation macroéconomique là, chercher. Là, c'est son stabilisation monétaire. Mais si maintenant, on ne peut pas produire entre temps pour compenser, il met fait 10 injections. Là, de boulot, toujours. Injection pas mauvais bagaille, non. C'est ton injection qui t'est faite maintenant, côté l'argent, t'as allé dans le niveau d'investissement. Même si on n'a pas un résultat, on n'y a pas un boulot, bagaille, non. C'est-à-dire qu'on a refait goût de là, on garde pour faire une injection au niveau marché, mais production n'a pas répondu. Donc, c'est en force d'arriver dans la solution au grand 2. Pour moi-même, une solution, il faut rentrer dans la production. La production de biens et de services. La production, toute production nationale. Là. L'autre information, papa PNH, là, Michel Angel, lui, jeune, présenté, jeudi jeudi, à bilan opération des CP Jiménez. Pour moi, septembre, dans 6 départements en pays d'Haïti, parmi eux, l'Ouest, Nord-Est, la Tibonite, Sid, pour ne citer ça ou seulement, commissaire Lujeune a fait qu'on ait des CPJ traités 42 dossiers, 4 machines confisquées, 3 armes à feu saisies, 133 kg marijuana à 4,5 kg cocaïne saisie, plusieurs individus jeunes arrestations pour divers chefs accusations, tocou, vol, viol, détournement minier, détournement fonds. En écoutez, papa, ou PNH, là, Michel Angel, Lujeune, pour plus de détails, il parler dans le micro, collaborateur non, Josué Belamour. Direction départementale l'Ouest, dans le cadre de l'ouverture du tribunal là, l'autre jour, dans le Pavé, fait 2 arrestations et il y a des armes qui saisies. Jusqu'à présent, nous avons dit nous chercher, nous avons toujours cherché, nous avons un mandat de recherche derrière. Et m'a informé la presse que hier après-midi à la CAE, la police locale menait une opération. Dans une coopération, dans un échange de tirs avec la police, il y a un bandit qui est tombé. Et il y a un bandit que la police a recherché, qui est manlé, qui t'a sauvé, qui prend 4 touches. La police par exemple, mettait mes souliers. Dans 2 armes que la police saisit, il y a un dans les armes, ces armes la police. L'autre âme, non, ces âmes qui appartenaient à une institution publique dans le pays, que nous gardons pour nous battre pour des raisons d'enquête. Il y a un cas qui souhaitait attirer l'attention de la presse. C'est cas Clerna Saint-Ilma. C'est un mineur qui est âgé de 17 ans. À Pierre Payen, côté la vive, maman Clerna voyait le Saint-Marc pour aller bah un client une somme de 50 000 gouttes. Il prend somme d'argent ça, il allait pas jamais retourner la caille. Il prétextait que yo kidnappé, il pas jamais retourner la caille avec l'argent. Avec un ami qui est le Nadège, il montait une vidéo côté il voyait bah parents pour faire sentir que l'a subi des sévices corporels, pour faire sentir que il a battu et que dans acte de kidnapping que lui-même lui montait. Dans le cadre de ce dossier, le bureau de CPJ est obligé d'aller jusque dans le sud-est pour être capable de traiter le dossier. Ça. Section droit monde dans mission Nations Unies Cap Kouri la justice dans tête collée avec primature lancé un atelier consultation sur rapport périodique application sous pacte international relatif à droit civil et politique yo déwa lancé activité ça hier jeudi à l'hôtel Marriott Tujo pour sa ministre juste à financer droit faire faciliter yo renforcer bataille pour respect droit monde dans pays ya. D'après chef ministre juste la Hélène Lalim qui renouvelé engagement mission pour renforcer la justice dans pays d'Haïti. Hélène Lalim, t'es dans le micro, Jean-Philippe Massian, écoutez-le. Spécialement féliciter le gouvernement pour la ministre déléguée qui est maintenant chargée des droits humains et de la pauvreté extrême. Sa nomination à ce poste important nous montre combien le gouvernement est intéressé, l'importance qu'il apporte aux questions de droits de l'homme, ce qui constitue une avancée pour leur promotion et protection en Haïti. Donc vraiment merci de l'appui que vous de l'appui que vous nous donnez en étant ici aujourd'hui. Je voudrais aussi rappeler que le mandat du service de droits de l'homme de la MINUSJUST qui sert aussi de haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme ici en Haïti, que ce mandat est de renforcer les capacités des institutions nationales et Protecteur citoyen Renan Edouville croit qu'il y a une avancée qui fait dans la question de droit civil et politique en Haïti, malgré le reconnaître qu'il y a un pile d'efforts qui était pour faire un coup de droit pour mon jeune santé, sécurité et la trier. En écoutant Protecteur citoyen Renan Edouville, il était dans le micro, Jean-Philippe Masséan.
en sa qualité d'institution nationale indépendante de promotion et de protection des droits humains, accrédité au statut A auprès du Conseil des droits de l'homme, a le plaisir de prendre part à cet atelier de consultation sur le rapport périodique d'application du pacte international des droits civils et politiques et des recommandations du Comité des droits de l'homme accepté par le gouvernement haïtien lors de l'examen d'Haïti en octobre 2014. En effet, comme on le sait, Haïti, en tant qu'État parti au système onusien de protection des droits de l'homme, a pour obligation, et je pourrais même dire, a pour obligation juridique de se conformer aux recommandations du Haut Commissariat aux droits de l'homme et autres structures des Nations Unies formulées à Haïti. Cette obligation, il faut le dire, se situe dans le cadre de la soumission de rapports périodiques au niveau de l'examen périodique universel, couramment appelé EPU. Premier ministre Jean-Henri Séan, qui a participé à l'activité ça dans le discours circonstance li, salue réalisation atelier ça qui montre à clair volonté différents acteurs ont gagné pour faire droit monde respecté dans pays a. Toutefois PMC en bail garanti gouvernement la tête li a continuer travail pour faire respecter droit citoyen dans pays d'Haïti. Jean-Henri Séan. C'est un privilège de vous accueillir à l'ouverture de l'atelier de consultation sur le rapport périodique d'application du pacte international relatif aux droits civils et politiques, PIDCP, et des recommandations du Comité des droits humains acceptées par le gouvernement haïtien lors de l'examen d'Haïti en octobre 2014. Qu'il me soit permis de saluer la présence à nos côtés ce matin de tous les acteurs des droits humains, aussi bien au niveau étatique qu'au niveau non étatique. Votre présence à cette assise témoigne de votre adhésion aux valeurs universelles des droits humains. Mes salutations s'adressent aussi aux partenaires techniques et financiers qui n'ont jamais ménagé leurs efforts et leur appui à notre pays en faveur de la protection et de la promotion des droits humains. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous rappeler que la République d'Haïti a ratifié la plupart des traités internationaux relatifs aux droits humains et a signifié, ce faisant, son engagement non équivoque dans la promotion et la protection des droits humains. Dans l'occasion journée mondiale enseignant, journée vendredi 5 octobre, divers syndicats enseignants tant que UNO, JL, CNEH, Fenatec annoncent une journée mobilisation pour journée vendredi ça dans zone métropolitaine dans l'idée pour continuer dénoncer dans conditions difficiles professeurs à travail et c'est pour l'occasion tout pour exiger meilleures conditions de travail pour enseignants. Mona Bernadel, c'est une responsable l'itinamico Peterson Blaise. Enseignants dans le pays a organisé tant que UNO, CNEH, UNOE, Fenatec, JL, RE, LINE. C'est dans le cadre de la journée mondiale des enseignants qui c'est 5 octobre qui a célébré l'année ça sous thème le droit à l'éducation, c'est aussi le droit à un personnel enseignant qualifié. Et nous avons annoncé tout que nous avons marche que nous avons organisé dans la journée, dans le jour ça qui a 5 octobre là demain, 10h, devant le lycée Marie-Jeanne, nous avons démarré. Nous avons dit tout, mais ça nous avons organisé, c'est pour nous capables, dans le cadre de la journée mondiale des enseignants, capables de dénoncer le système éducatif là à marcher dans le pays. Nous sommes capables de dénoncer tout, dans quelles conditions professeurs élèves qui travaillent dans le pays d'Haïti. Nous avons marché tout, premièrement, pour nous dénoncer les gens de salaire que nous gagnons. Nous avons marché pour nous capables d'exiger une crise salariale qui a gagné un salaire de base de 75 000 gouttes. Voilà, de ce côté, une responsable UNO qui c'est Mona Bernadel qui a annoncé en journée mobilisation à l'occasion de la journée mondiale enseignante jeudi vendredi 5 octobre. Là, faut nous dire qu'il y a divers directeurs de l'école privée qui ont un programme Sugoa hier ou même le tableau typique des voies primatiques de républiques là dans l'idée pour continuer à demander aux autorités concernées payer au plaisir l'année de dans le cadre du programme. Ça, on écoute quelques directeurs qui ont parlé concernant micro collaborateur, non Jean-Philippe Masséan. Eh bien, ça fait de nous la Jodia, c'est monsieur Agenor Kadé avec tout régime ça. Parce que Jodia n'a dit président Jovenel, il complice. N'a dit monsieur, et c'est un sort d'une là tout, il complice tout. Comment qu'à comprendre? Constitution pays amendé, l'illégal pour tout le monde qui est dans la classe, première année jusqu'à 9e à l'école gratis. Ce que monsieur Matéli a fait pendant son quinquennat, li mette en application sa constitution de dit. Yo sorti yon arrêté présidentiel côté yo mandé pour l'état trouver un l'argent pour yo payer ti moun qui pa kal l'école le quartier de favorisé. Comment ka joine jodi a la bon partenariat qui fait entre l'état et l'école privée nous-mêmes que nous-mêmes nous c'est directeur yo. Jodi a comment ka comprendre arrivé de monsieur Agenor Kadé tête ministère jodi a li dit sur campé.
c'est des programmes de campé. Brutalement, sans pagayer aucun administrativement, pagayer une voie qui trace en direct à l'école. Dans la clause que nous avons dans le contrat, il y a une façon que la clause contrat dit il y a un campé programme. 900 000 écoles qui ont doué. Nous avons 2 ans à mobiliser là. Jodi a dit bouton maligne, non, bouton ça qui vient jodi a, l'abdoune maligne et nous exiger pendant mois octobre là. Pendant mois octobre là, nous baillons 1 semaine. Si nous n'avons pas canalisé comment pour yon payer l'école, nous-mêmes, nous dit, même 17 octobre, nous avons prôné là, nous n'avons 17 octobre. Nous n'avons 17 octobre sur tous les fronts. Nous, c'est des directeurs d'école, serré, collectif des éducateurs pour le renouveau de l'éducation d'Haïti. Nous avons AEPN dans le Nord, nous avons CODEPA dans la Tibonite, nous avons CODEP dans Pétionville et l'autre organisation, Cité Soleil, Croix des Bouquets, Akaye, Lagonave, NIP, Nord-Ouest, Nord-Est, il y a des départements, des délégations qui viennent là. La raison qui fait nous venir là, nous ne pas demander, nous venons réclamer une bagarre qui revient de droit. Nous avons un ministre qui était de petits vagabonds, de sans-arrêt. Pendant la première monde pour le pays, pour venir prendre la relève, comment expliquer que pour un ministre qui sont ministres, qui a occupé un ministère régalien, comment la piété des directeurs d'école, maintenant nous venons en pied, premier ministre qui c'est papa, comme qu'on y a licencié en connaissance de cause, nous demandons que pour nous toucher 2017-2018, pourquoi pas 2018-2019, parce que dans le deuxième mois, nous avons année scolaire. Et 1 $ secrétaire à rentrer, centime à rentrer sous appel, il y a de différents textes, presse, taxes qui apprennent, mais aujourd'hui, nous venons réclamer comme nous. Voilà, moment arrivé pour nous faire place avec différents rubriques.